parcours scolaire. J'ai fait des études générales en fait. Après, je suis allée à la fac. Je voulais toucher un petit peu au monde professionnel, mais en même temps, rester dans le cycle scolaire. Bon, bah, comme beaucoup, j'ai pris ma pochette de CV sous le bras et je suis partie faire le tour des entreprises. Mais c'est vrai que Vincent Paul m'a beaucoup aidée. Alors, Vincent Paul, parce que lorsque j'ai fait le tour des entreprises pour justement poser des CV pour faire ma formation, beaucoup d'entreprises m'ont parlé de Vincent Paul. Donc, je me suis automatiquement dirigée ici. Parce que j'avais énormément entendu parler de cette école, c'est une école reconnue. Après la formation, je pense continuer. Après mon bac plus 2, je pense faire une licence et peut-être après un master, on verra. Alors en fait, e-learning, ça marche, ce sont des modules thèmes, des thèmes professionnels. Par exemple, comment communiquer, avoir une conversation téléphonique en anglais ou en espagnol. Donc c'est pratique. Dans l'alternance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une charge de travail quand même qui est assez importante, vu qu'il faut gérer aussi bien l'école que le travail. Donc c'est, voilà, c'est cette partie, commencer l'école, donc on se met dans le bain de l'école pendant 2 jours. Et ensuite, il faut se mettre, quand on arrive au travail, se remettre dans le bain directement, être professionnel, opérationnel. Ce qu'on apprend à l'école, ce qui est bien, c'est qu'on peut le répercuter directement en entreprise. Et inversement, quand on a des cas en entreprise, on peut en parler à l'école, des techniques de vente, des techniques de management, des techniques de gestion qui sont applicables en entreprise, et c'est ce qu'on apprend à l'école. Pourquoi Vincent Paul? Ben, tout simplement parce que je connaissais un peu de nom Vincent Paul. J'ai trouvé l'ambiance de travail, les locaux, même tout l'encadrement plutôt sympathique, assez attrayant. Donc j'ai fait plusieurs écoles et c'est celle-ci que j'ai retenue, voilà, pour ces raisons. C'était plutôt chaleureux, assez familial. Pourquoi Vincent de Paul? Parce que j'ai aimé le principe de, notamment ANDES, où les enseignants sont des formateurs, donc des professionnels. Qui nous parle concrètement du travail en entreprise et de ce que c'est. Donc c'est plus la théorie, c'est vraiment du concret. C'est vraiment le reflet du travail de tous les jours. Donc oui, il y a des matières comme en ressources humaines notamment, où on étudie le recrutement, des techniques. Donc oui, après je m'en suis servie pour mes propres entretiens d'entreprise. On sentait qu'il y avait un suivi. Quand on était dans l'entreprise, on sentait réellement que on n'était pas laissé, ou pour les examens, on m'a expliqué qu'il y avait beaucoup d'examens blancs, etc. Donc voilà, c'est pour ça que, surtout que j'ai choisi Vincent Paul, c'est pour cet esprit, on va dire, de famille.